Dans quelques mois, Sébastien Librecht ouvrira son épicerie mobile. Aujourd'hui, il rend visite à un éleveur porcin, l'un de ses futurs fournisseurs. De toute façon, c'est ce que recherchent les gens d'aujourd'hui. Hein. Ils veulent des produits sains, qui sont là, fabriqués à côté, qui gambadent naturellement. Son projet, Sébastien le monte avec l'appui du territoire zéro chômeur de longue durée. Ancien commerçant en région parisienne, il a mis derrière lui une période de galère et veut maintenant se construire un avenir dans la Nièvre. L'EBE, c'est bien sûr une entreprise à but d'emploi, donc c'est d'abord l'humain, mais à travers l'humain, c'est aussi faire en sorte que des filières intelligentes, donc pour une économie circulaire, soient mises en place sur le territoire. Dans son camion, il vendra des produits bio dans les villages. S'il manque encore le véhicule, il faut déjà préparer l'approvisionnement. La rillette avec laquelle j'ai gagné la médaille d'or à Paris cette année, pour les rillettes fermières. Ah, super, bon. Voilà, donc ça c'est des produits qui sont dispo. Ah. Et ensuite j'ai aussi toute une gamme de salaisons, donc avec du saucisson sec. Travailler avec des producteurs locaux pour dynamiser le territoire. Le projet résonnait avec les objectifs du territoire zéro chômeur. Non, bah écoute, c'est super. C'est vrai que la Nièvre, on entend beaucoup dire que c'est en perte de vitesse, mais moi je trouve qu'il y a énormément de petits projets qui se mettent en place et qui redonnent envie en fait de faire revivre la Nièvre, parce que enfin voilà, c'est pas un territoire mort quoi. Il y a vraiment des choses à faire et c'est par tous ces petits projets qui sont en train de se mettre en place à droite à gauche qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Après mairie, Quentin lui a été recruté pour s'occuper du site internet de l'EBE. Sur les griffes de Bootstrap. À 21 ans, il a connu un an et demi de chômage après une formation en boucherie-charcuterie. Ici, il a pu entamer la réorientation qu'il souhaitait. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire leur site internet. Et personne n'était vraiment qualifié dans le coin pour faire ça. Donc j'ai commencé avec quelques compétences que j'ai acquises tout seul dans mon coin. Mais c'était pas vraiment dingue, donc ils ont décidé de rechercher des formations. Au mois d'août, il a intégré une école spécialisée à Nevers. À la clé, en 8 mois, un titre professionnel équivalent d'un bac plus 2. Comme Quentin ou Sébastien, le dispositif Territoire Zéro Chômeur accompagne les salariés demandeurs pour leur permettre de préparer la suite, par des formations ou en les aidant à créer leur activité. Certains ont déjà un projet qu'ils n'ont pas pu mener pour des tas de raisons avant. Donc l'enjeu, c'est de dire « Ok, vous êtes salarié de l'EBE, on vous accorde du temps, comme on le ferait dans une couveuse, un peu, pour effectivement réfléchir à votre projet. » Alors c'est pas indéfiniment, hein, c'est pas 6 mois, c'est vous avez un temps où vous pouvez réfléchir, être accompagné pour écrire. Du temps et un filet de sécurité, Sébastien est rémunéré et travaille en parallèle de son projet à la communication de l'EBE. Quand on crée donc, une entreprise, il y a toujours une petite période de transition, notamment au départ, hein, surtout quand on a très peu de moyens, ce qui est mon cas, pour créer l'entreprise. Hein, il faut un fonds de roulement, de la trésorerie, etc. Là, quelque part, le cadre de l'EBE permet justement, donc, tout en touchant un salaire, de lancer son entreprise pour qu'elle puisse opérationnelle. Quoi. Car l'entreprise à but d'emploi n'est pas une société prévue pour y faire carrière. Pour Quentin, ces quelques mois sont l'occasion de reprendre confiance en lui, avant de retourner démarcher de futurs employeurs de nouvelles compétences en poche. Sans l'EBE, je pense que je serais resté un moment tout seul dans ma chambre avec mes amis à jouer un petit peu à droite à gauche, à faire des sites internet, mais ça n'aurait jamais donné rien de concluant que là, vraiment, j'ai une possibilité d'avenir qui se profile. Après mairie, l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur est prévue pour une première période de 5 ans. Certains salariés espèrent retrouver un emploi ailleurs, pour d'autres, ce sera simplement le moyen d'atteindre la retraite. Mais pour tous, le dispositif donne un espoir, que le chômage de longue durée ne soit plus une fatalité.